World Invaders, c'est en fait un livre qui pose une question toute simple, c'est une uchronie, donc c'est une histoire alternative, dans laquelle la question posée, c'est que serait-il passé si l'informatique avait divergé, et notamment si les jeux vidéo avaient divergé. C'est-à-dire que dans le monde réel, vers 1968-1970, il y a des jeux vidéo à l'université, mais les jeux vidéo au grand public ne sont pas encore apparus, ils sont en train d'apparaître, et les prototypes sont faits, par exemple, dans un laboratoire militaire, qui va ensuite vendre cette invention à un fabricant de télévision. Donc tout de suite, les jeux vidéo, quand ils deviennent grand public comme une sorte de grande entreprise commerciale, quelque chose qui est vraiment dans les industries culturelles. Et le point de départ du livre, c'est de se dire, très bien, mais si, au lieu de ça, les jeux vidéo avaient été vers la contre-culture, vers un petit peu ce qui se passait dans les universités autour de l'informatique à l'époque, c'est-à-dire une idée de communauté, de partage d'informations. Et donc, que se serait-il passé si le premier prototype de console de jeu, au lieu d'être donné, vendu à un fabricant de télévision, avait été amené à Andy Warhol, qui aurait utilisé sa position de pape de l'avant-garde new-yorkaise pour transformer un petit peu la signification de ces jeux vidéo. Andy Warhol, c'était presque le point de départ du livre, c'était cette idée que Warhol, c'est une idée de la modernité, et c'est une idée d'utiliser les industries culturelles contre elles-mêmes. C'est une idée d'être à la fois dedans et en dehors, et d'avoir une vision tout à fait prescience de la célébrité. Or, ce qui m'intéressait beaucoup dans le livre, c'était aussi d'avoir un jeu sur la célébrité, c'est-à-dire d'avoir un personnage principal qu'on va suivre à plusieurs époques, mais qui change, qu'on regarde différemment et qu'on voit le plus souvent de l'extérieur, comme une vedette, qu'on voit comme quelqu'un qui est dans la presse, qui est au cinéma, qui est une icône déjà. Et il me semblait que Warhol, c'était un bon moyen de parler de ça, de parler de la création des stars. Puisque finalement, ce que fait Warhol dans les années 60, c'est notamment de dire « l'avant-garde peut créer des stars ». Et il a des superstars qui sont des superstars de pure invention, de pur discours. Et il me semblait que quand on écrit un roman, on fait un peu quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on prend un personnage qu'on invente, qu'on tire de rien et qu'on érige en vedette de son propre récit. La collection Courant Alternatif, c'est l'idée de prendre un peu la science-fiction au sérieux. C'est-à-dire, c'est l'idée de se dire que la science-fiction doit être de nouveau une science-fiction politique en prise avec le présent, une science-fiction qui finalement n'essaye pas ne peut pas être rabattue sur des stéréotypes de romans d'aventure. Et donc il me semble que Courant Alternatif, c'est ce projet de renouer avec une des fonctions de la science-fiction, une des fonctions historiques, et en le disant assez clairement sur quelque chose de contemporain, d'immédiat, d'assez court et d'assez ouvertement politique, pas comme un sous-produit, mais bien comme un des projets de l'écriture.